Alors, histoire de la musique. Alors là, si, euh, si ça saute, <laughs> j'espère que, bon, que ça ne va pas trop sauter non plus quand même. Euh, alors, je vais essayer de partager l'écran en essayant que ça ne saute pas trop. Euh, bon. Il n'y a pas pour très longtemps, mais vous voyez l'écran noir ou pas Oui. C'est bon. Alors, donc en fait, le, ce qu'on a vu la, la fois dernière. Attendez, avant ça, je vais quand même vous, vous refaire, euh, vous refaire un, petit, un petit rappel sur, euh, sur ce qu'on a vu la fois dernière. Donc, la fois dernière, nous avons vu. Enfin. Là, il y a deux semaines et la semaine dernière, on a évoqué l'histoire de l'Antiquité, notamment. Voilà. Donc, euh, donc, on a vu les trois notes pivots euh, la, la fois dernière et juste avant, on avait commencé à voir que euh, c'est ça que je voulais vous montrer ce schéma. Voilà. En fait, en, en prenant une corde et en la partageant et en, en en jouant une seule partie de la corde, on pouvait avoir soit une octave soit une quinte soit une tierce okay voilà donc en fait le, le truc c'est que pour le, la quinte alors même si vous voyez pas bien le schéma écoutez ma voix et je vais vous euh, narrer tout ça en fait quand on prend la, la, la quinte c'est qu'en fait on prend les deux tiers d'une corde et quand on appuie sur les, les deux, deux tiers d'une corde bah, on a un son qui est à la quinte de la, de la première note du son fondamental bon. et donc euh, voilà donc ça veut dire que pour avoir si le son fondamental c'est do pour avoir ses, le sol, eh ben je prends les deux tiers de cette corde et je pince les deux tiers de la corde et du coup, ça me donne la note sol. Bon. Et l'idée, c'est de se dire, ben, ce qu'on qu pourrait faire, c'est euh, refaire la même démarche à partir de sol. Donc, je ne refais pas le schéma, mais euh, ça, ça, peut, ça pourrait donner ça. C'est-à-dire que je pars de Do, je prends les deux tiers de la corde. Et j'obtiens la note SOL. Okay et puis après, je recommence à partir de SOL. Je prends les deux tiers de la, de la corde et j'obtiens la note RÉ. Et je recommence. Ça, je, ça me donne la note LA. Et puis ensuite, ça me donne la note MI. Donc, et ensuite, ça me donne la note SI. Et ensuite, ça me donne la note... Fa dièse. Et ensuite, ça me donne la note Do dièse. Et ensuite, ça me donne la note Sol dièse. Donc si je prends les deux, les deux tiers, puis encore les deux tiers, puis encore les deux tiers, mon ennemi, il respique un tout petit bout de corde, mais euh, c'est quand même faisable. Euh, après Sol dièse, si je recommence, ça me fait Ré dièse. Et si je recommence après, ça fait La dièse. Et puis après, ça fait... Mi dièse. Bon. Et après mi dièse, ça me fait si dièse. Bon. Alors, si on regarde tout ça, on a le do ici. Do, sol, ré, la, mi, si, fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, la dièse. Alors, mi dièse, c'est la même note, enfin, c'est le même son. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le même son que fa. Et si dièse, c'est le même son que que do. Okay. Voilà. Donc en fait, on a do, sol, ré, la, mi, si, fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, la dièse, fa et do. C'est qu'en fait, quand on a fait le tour complet, eh bien, on revient sur do. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un cycle, le cycle des quintes. Donc euh, on pourrait faire un, un schéma comme ça. Donc Hop. On pourrait faire un grand cercle, par exemple, n'est-ce pas? Hop. Tac. Et disposer les notes tout autour. Donc on aurait ici Do, tac, puis Sol, puis Ré, tac, etc ne fait pas tout le dessin si on tourne comme ça clac, 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 clac on a toutes les toutes les notes là voilà tac et on revient ici sur dos okay ce qui fait que ça nous permet d'avoir d'avoir absolument toutes les notes qui existent et quand on regarde bah, toutes les toutes les notes que ça donne donc je vous remettrai un, un schéma un peu plus un peu plus clair <laughs> que ça parce que là ça c'est un peu fait à main levée mais euh, l'idée le, c'est que si j'ai toutes ces notes euh, par, par, par cycle de quintes, enfin, selon le cycle de quintes, c'est-à-dire avec, avec toutes les quintes, j'ai obtenu quoi comme note J'ai obtenu, je vais vous remettre ici, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La Dièse, mi dièse si dièse tac donc on a dit que la, la note mi dièse et la note si dièse c'était la même note que donc en fait la note mi dièse c'est la même que fa parce que mi quand le dièse a fait augmenter la, la note d'un demi ton donc juste au-dessus de mi on a fa et si dièse, ça veut dire que ça augmente d'un demi-ton la, la note si. Et juste au-dessus de Si, c'est Do. Donc, ben en fait, on a quoi ici? Si je reprends toutes les notes, on a le Do ici. OK Enfin, je vais, les re, je vais les écrire au fur et à mesure. Alors, en fait, on a Do ici, la première. OK. Ça c'est bon. Alors, on va les bien au fur et à mesure. Do, tac, j'ai repéré. Ça, c'est la même note. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ben, J'ai Do dièse. OK. Do dièse. Je suis en train de les, les euh, réorganiser en suivant. Ensuite, après Do dièse, j'ai Ré. Tac. La note Ré. Ensuite... J'ai la note Ré-dièse. Ré-dièse. Juste au-dessus de Ré-dièse, j'ai la note Mi. Voilà. Tac. voilà. Vous avez compris ce que je suis en train de faire. Euh, juste au-dessus de Mi, on a Mi-dièse ou Fa. Voilà. Juste au-dessus de Fa, nous avons Fa-dièse. Juste au-dessus de Fa dièse, nous avons Sol. Juste au-dessus de Sol, nous avons Sol dièse. En contenu comme ça. Ensuite, nous avons, au-dessus de Sol dièse, nous avons La. Tac. Au-dessus de La, juste au-dessus de La, nous avons La dièse. Tac la dièse. Au-dessus de là, on a bientôt fini. Au-dessus de la dièse, nous avons si. Nous avons si. Et au-dessus de si, nous avons si dièse ou do. Et en fait, on l'avait déjà. Donc en fait, on a combien de notes On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ces 12 notes, ça s'appelle comment ça La gamme. Comment tous en cœur. Oui, Jean-Jacques. Complète. Non. Perdu. Pas... Ah, pardon. <laughs> si, ah, dit bon ah voilà. Ah non, ah, non ça s'appelle pas la gamme complète, non. Il y a la formation ah. complète, mais la gamme complète, non, ça. Alors. Merci d'avoir joué avec nous. Éliminé. <laughs> enfin, tu, peux, tu peux rester avec nous quand même. Alors, qui, qui a une idée il le sait on l'a déjà vu pourtant c'est dans les cours c'est dans la formation bon allez je vais interroger Florence au hasard j'ai écrit chromatique chromatique. chromatique voilà bravo on l'appelle gamme chromatique pourquoi chromatique parce que elle contient toutes les couleurs chroma en grec c'est la couleur voilà. bon voilà grâce à simplement grâce aux quintes on n'a pas on n'a rien fait d'autre on a pris la, la quinte, puis les deux tiers d'une corde, puis les deux tiers d'une corde, puis les deux tiers, deux tiers des deux tiers des deux tiers des deux tiers des deux tiers. Et comme ça, on a obtenu la quinte, de la quinte, de la quinte, de la quinte, de la quinte. Et on a fait le tour. Voilà. Alors, on verra dans notre histoire de la musique que ce n'est pas si simple que ça, parce que normalement, quand on fait ce, ce travail-là, on ne retombe pas pile, pile, pile sur le, sur le dos, mais ça, euh, on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, pour retenir pour le moment que grâce à ce cycle de quinte on peut avoir toutes les notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire jouer tous les morceaux possibles imaginables dans la musique occidentale. Okay voilà voilà, c'est tout pour ce soir et à la semaine prochaine, on avance un petit peu plus dans notre histoire de la musique. Voilà voilà.